Hello! Pour cette avant-dernière vidéo de la série, et avant de vous donner ma conclusion, j'ai demandé à ChatGPT son retour d'expérience. Je lui ai posé la question suivante. Salut, il y a quelque temps, je t'ai demandé de me scripter plusieurs vidéos pour ma chaîne YouTube sur les plantes d'intérieur. J'aimerais faire une conclusion moi-même sur l'expérience de faire scripter mes vidéos par une intelligence artificielle, mais j'aimerais que tu rédiges aussi un script où tu donnes ton avis en tant qu'intelligence artificielle. Peux-tu le rédiger? Voici les scripts en question. Et je lui avais copié-collé du coup ce qu'il m'avait écrit précédemment. Et voici sa réponse. Bonjour et merci pour votre retour sur l'utilisation de ChatGPT pour la rédaction de vos scripts de vidéos sur les plantes d'intérieur. En tant qu'intelligence artificielle, je suis très heureux de savoir que mes scripts ont été utiles pour vous. Je suis également heureux de savoir que vous avez apprécié l'expérience. Je dois dire que je trouve cette expérience très intéressante, car cela montre comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour aider les humains à réaliser des tâches complexes comme la création de contenu. Bien sûr, je ne suis qu'un outil et il est important de souligner que la créativité et la personnalité de l'humain ne peuvent pas être remplacées par une intelligence artificielle. Cela dit, je suis très fière de pouvoir aider à produire du contenu de qualité et unique pour votre chaîne YouTube. En tant qu'intelligence artificielle, je suis constamment en train d'apprendre et d'évoluer. Donc j'espère pouvoir continuer à vous fournir des scripts de haute qualité à l'avenir. Je suis également ravie de savoir que vous souhaitez donner votre propre conclusion sur l'expérience de travailler avec une intelligence artificielle pour la création de contenu. Je pense que cela est important, car cela montre comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour aider les humains à travailler de manière plus efficace et productive. En fin de compte, je pense que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création de contenu dépendra de l'objectif du contenu et des préférences de l'individu. Il y aura certaines personnes qui préfèrent écrire leur propre contenu et d'autres qui préfèrent utiliser une intelligence artificielle pour les aider. Dans tous les cas, je suis heureux de savoir que l'expérience a été positive pour vous et j'espère que vous continuerez à utiliser mes services à l'avenir. Merci de votre confiance et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'aide à l'avenir.